47, ici Diana. Un informateur dans la place nous a confirmé que votre nouvelle cible était bien le jumeau, un playboy qui adore les filles vulgaires et les œuvres d'art très chères. Il a beaucoup des deux, notamment une statue rarissime du 16e siècle. Il est donc très bien protégé. Je suis à l'extérieur de l'appartement terrasse. Je peux voir l'intérieur. On dirait qu'il y a vraiment un autre jumeau. Je vais procéder comme vous. Ce sont les ordres. C'est bien le frère jumeau de Charlie, c'est certain. Oui, il lui ressemble vraiment. Mais il se comporte différemment. Yep, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Agent 47. Alors là, ça va être de tuer, donc vous avez compris, le deuxième jumeau. Donc le frère du petit geek, et frère qui est un petit peu pervers du coup. Donc ça va pas être facile, ça va pas être une mince affaire. Sachant que quasiment tout le monde est un garde ici, et que même si le loft a l'air énorme, il va y avoir du travail pour réussir à passer entre chaque garde. Bref, restons le plus discret possible. On va attendre que les gardes fassent leur ronde. Bon, ce qui est bien, c'est déjà que c'est qu'il n'y a qu'une seule partie de la map. Du coup, c'est assez simple de se déplacer, on va dire. À vrai dire, pardon. D'accord, donc il passe. Patati patata. Ah ouais, c'est chaud. Alors, enlevons-nous du mode. Voilà. Ok, donc ce garde lui il fait pas sa ronde normalement. Faudrait voir un peu la ronde qui se font les gars. Ouais. Les nanas elles vont. Ok, mais je sais pas comment faire du coup là. Ça va être un peu difficile, sachant que là t'as quand même pas beaucoup de gardes, mais je vais éviter de tuer tout le monde. Donc je vais pas mal galérer. Là lui il va faire sa ronde. En plus il y a un garde ici. Ok. Sachant que, est-ce qu'elle va sortir elle? Ouais, normalement elle doit sortir, elle va partir pisser. Moi je vais pouvoir passer par là. Dès que le gars, un garde sera sorti, moi je me casse. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire les amis. Ouais, à part pisser. Ok, donc là c'est bon, je m'en sors bien. On va attendre qu'il passe. Est-ce que ça va le faire? Moi je pense pas. Je sais pas pourquoi je suis sceptique. Je suis sceptique. Celui-là, quand il va sortir, est-ce que l'autre va sortir aussi? Ouais, je pense que là, ce sera le bon moment pour que je sprint. Voilà, sortez tous les deux là. Moi aussi, je vais sortir, les gars. C'est à venir. Oh non, la meuf, elle sort aussi. Oh, je suis dans le caca là. Pourquoi elle a décidé de partir elle aussi? Elle m'aurait peut-être pas vu si je m'étais mis dans le coin là, mais bon, je vais pas tenter la mort. Ouais, on va attendre un petit peu encore. Bon, c'est une stratégie, dans tous les cas, il faut récupérer, il me semble, l'argent et la statue. Donc l'argent, il doit être là, la statue, elle doit être là, vu qu'on est passé devant. Donc rien de trop compliqué, ça c'est bon.
Ouais. C'est une petite visée là, tu vois. Puis on va faire le tour. Et au prochain tour, j'y vais. Normalement, ça va le faire. Ah non, il fait sa ronde direct. J'ai même pas le temps, tu sais, de sortir. Ah, il me verra direct. Là, de toute façon, ils vont ressortir encore tous les deux. Ah putain, je l'ai peut-être ralenti là, non? Ouais. Légèrement ralenti. Ah, peut-être j'ai trouvé le bon moment là. Sont repartis. Donc moi je suis bon là. Fermez la porte, la fille. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est des chiottes. Elles vont me voir ici. Elles vont me voir, c'est obligé. Je vois pas comment faire. Moi ce que je me dis là, faut regarder la map là, dans tous les cas. Sinon on va se faire baiser. Donc ici c'est chiottes. Moi ce que je vous dis, moi les gars, c'est que on attend là un petit peu. Y a l'autre nana qui va arriver. Bon, rien de spécial, on se cachera. Et on se cachera, je sais pas où, mais faut que les nanas bougent là. Dès qu'elles vont bouger, faut que je me mette derrière la porte. Faut voir comment elle est la porte, comment elle est la disposition de la porte. Ah mais c'est tout un art. Tout un art. Donc les nanas vont aller au chiottes, je me mettrai derrière la porte. J'attends qu'elle passe. Et normalement, c'est bon. L'autre, faut pas qu'elle aille au chiottes. Si elle va au chiottes, c'est la merde là. Je serai dans la merde. Donc là, il va passer le garde. Et normalement, on va pouvoir repartir aux chiottes. Et nous, on pourra faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire le tuer. Après, est-ce qu'on aura le temps? Ouais, normalement, oui. Allez, les filles, venez aux toilettes. Sinon, je vais devoir faire le psychopathe en tuant tout le monde. C'est pas envie de ce que. C'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Oh là là, ça va être chaud, 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 chaud. Allez les filles, vous avez pas envie d'aller aux toilettes là? Ah putain, j'arrête de me cogner la tête là. Elles veulent pas aller aux chiottes quoi. Mais venez putain. Le mec il va attendre 5 heures pour qu'elles aillent aux chiottes quoi. Je sais pas si c'est plus pas qu'on le garde sera là qu'elles vont aller aux chiottes. J'ai toujours la malchance. Niveau de ça, même pas, elle se déplace pas encore. Elles vont aller aux toilettes quand là? Ouais, ça y est, elle se lève. Là, le garde se casse. Ok, ça c'est bon. Je vais me le faire. Corde à piano, hop. Ravissant, venez dans le bas avec Charlie. Salut Charlie. Au revoir Charlie. Charlie petit zizi. Allez hop, faut qu'on se dépêche.
va le mettre derrière le lit. Ok, on lâche le corps, on active le lien vibration. Ok, ouh, ouh, on a eu de la chance, petite sauvegarde. Bon, la patience est un don. On a été patient, on a été récompensé, les gars. Donc ça c'est cool. Ferme la porte toi. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ça c'est bon. Ok. Donc là on est, les gars, on est bien parti là. Hop, je pète les fusibles. Tac. Donc là, la meuf va se casser. Lui, il va repartir. Putain, ils ont trouvé le cadavre de Charlie, merde. Ok. C'est l'argent. Ferme le coffre-fort. Ok, on se casse. Les statuts d'objectif ont été changés, c'est cool. Ok, le technicien il va pas tarder à arriver. Et oui, il y a un technicien qui va venir réparer tout ça. Donc là, ils attendent de chercher qui l'a tué. Le technicien arrivant par l'ascenseur, ça c'est cool. Ok. Donc nous, on va pouvoir se casser maintenant. On attend que le garde fasse sa ronde. Technicien il va arriver, il va rentrer dans la salle. Nous, on va l'attendre. Allez hop, on court, je m'en fous. Ne tirez pas, vous risquez de blesser Charlie. Putain, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le bug! Mais c'est passé quoi? Bon, attends, on va l'enfer. Excusez-moi, j'ai un bug. Le technicien a prévenu la sécurité. Écoute. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce bon technicien. Ok. D'accord. Ouais, déceptionnel. Là, je coupe vite fait les fusibles. Comme on avait fait. Hop. Donc, je pense pas que j'étais mauvais dans ça, là. Là, la meuf, elle s'est cassée. Voilà, je vais prendre l'argent qu'elle a sauvé. Ok, les gardes ont trouvé l'argent de Charlie. Ça, c'est bon. Ok. Moi, je prends la statue. Ok. Technicien arrivant par l'ascenseur. Donc le technicien arrive. Le garde il prend son temps. Donc là normalement s'il alerte c'est pas normal. C'est même what the fuck quoi. À la limite, je vais prendre du sédatif. Mmh.
jours que je remplace les fusibles ici. Ce gros radin doit... Ok. Donc là, c'est bon. Le garde se casse. Allez hop, c'est fait. Voilà. Donc c'était juste un... Je pense un petit contretemps, juste un petit bug avec le technicien. Et bon, bah ça a été fait. Ça a été nickel. Cette mission, elle a réussi pour moi très bien, même si on a fait un petit fail et qu'on a pris un peu de temps. Voilà, vous avez atteint la catégorie assassin invisible. On a réussi encore. Assassin invisible, vous recevez par conséquent une arme supplémentaire, le fusil de chasse canon scié. Eh les gars, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Allez, on se retrouve au...